Et c'est comme ça qu'on en est là où on en est, messieurs, dames. Ça te plaît la psychologie sociale, Christophe? Ah ouais. C'est cool, hein? Ben, on n'en parle jamais, ça n'est jamais enseigné, ça n'est nulle part. Les journalistes n'y font quasiment jamais référence, hein? De toute façon, journaliste, bon, on a compris. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence, un homme dont beaucoup aujourd'hui se réclament. Femme, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Edouard. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille? Je suis pas incohérente. Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. Littérature, c'est jette pas la pierre, il a niqué. Il y a pas de... Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Edouard. Ce fameux homme d'influence. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où ça existe. Le niveau de misogynie est dément. I love this time, I'll blow this thing. Christophe, si je te demande mon métier, là, comme ça, rapidement, sur le pouce, qu'est-ce que tu réponds? Sociologue. Ouais, bon, bah, c'est pas tout à fait précis. T'as pas beaucoup de chance, avec une réponse aussi vague, de remporter la caisse de champagne des 100 000 abonnés, ainsi que le moment agréable que je ne décrirai pas pour... afin d'éviter que ma vidéo soit démonétisée si je prononce les mauvais mots clés. Hein, on va compenser en disant chaton, 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 chaton. Donc, Christophe, si tu réfléchis un petit peu et que tu me trouves une définition plus appropriée, tu vas la publier sous le post, pas la vidéo, le post. Hein. Les posts, ce sont ces publications inter-vidéo. Il faut être abonné à la chaîne pour les voir apparaître dans ce qu'on appelle son fil. Hein. Le fil, c'est la continuité comme ça de ce que produit un créateur. Vous le reconnaîtrez très très facilement. J'ai mis un petit gif animé avec des formes... Alors, j'ai mis une femme avec un fessier très racisé, qui pourrait ou pas être Kim Kardashian et qui joue avec du champagne. Vous reconnaîtrez facilement le poste en question. Vous y jouerez, vous aurez une chance de remporter le jeu. Mais le lien avec la vidéo du jour, c'est que, voilà, alors, sociologue, ingénieur, moi j'aime bien dire psychosociologue parce que je m'intéresse à la psychologie, mais je ne suis pas à un paradoxe près. Je suis un psychosociologue qui ne parle que très rarement d'expériences de psychosociologie. Et oui, Christophe, c'est un paradoxe qu'il était temps de résoudre, ou en tout cas de lever. Alors, aujourd'hui, 10 experts, je dis 10, mais en fait, je ne sais plus si c'est 9 ou 11, parce que j'ai changé 15 fois le plan, une dizaine, 10 expériences de psychologie qui ne sont pas la plus connue, qui ne sont pas celles de Milgram. Tu la connais, celle de Milgram, Christophe? Alors, Milgram, je connaissais pas, mais je me suis renseigné dessus, effectivement. Vas-y, raconte-nous, fais-nous. Christophe, évidemment, vous connaissez la sosie officielle de qui vous savez. D'ailleurs, arrêtez de dire que je ressemble plus à Stéphane Diagana qu'à Thierry Henry, parce que c'était vrai et jeune, mais enfin là, Diagana, depuis son accident, je suis désolé, enfin, tu vas mettre la photo, tu vas mettre mon beau teint de pêche, d'accord, à gauche de l'écran, et tu vas mettre Diag aujourd'hui, franchement, vous ne me faites pas vraiment très, très honneur, les chatons. Christophe, sosie officiel, expérience de 1000 grammes, je te prie. Donc l'expérience de 1000 grammes, donc, c'est une expérience qui a été faite avec des candidats qui ont été choisis et qui ont été rémunérés pour ça. Ils prenaient donc un élève, un professeur et un observateur dans une même pièce. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, l'élève devait apprendre des mots que le professeur lui dictait. À chaque fois que l'élève se trompait en les répétant, le professeur devait envoyer une décharge électrique à cette personne. Le problème... Simulé, enfin, hein. Simulé. Et voilà, justement, la chose, c'est que l'élève et l'observateur étaient complices. Voilà, donc, un petit point vocabulaire immédiatement, Christophe. Qui dit expérience de psychologie sociale dit qu'il y a un cadre et qu'il y a donc un jargon. Le cadre, c'est généralement, très généralement, quasi systématiquement que les participants sont rémunérés. Sauf évidemment ce qu'on appelle le cobaye, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc ça, tu l'as dit. Et par rapport au jargon, donc il y a le chercheur qui est également parfois l'expérimentateur. L'expérimentateur, c'est celui qui est aux manettes et qui diligente l'expérience. Il y a les cobayes que l'on répartit parfois selon les besoins en groupe, hein, donc groupe A, groupe B, un petit peu pour faire du qu'on dirait aujourd'hui, c'est la mode du double aveugle. Et il y a les gens qui participent à l'expérience, mais qui ne sont pas cobayes parce qu'ils sont informés, ils sont initiés, on pourrait dire. Et ces initiés s'appellent des complices. Voilà. Donc vous entendrez dans ces 10 expériences, vous entendrez les mots complice, cobaye, expérimentateur et potentiellement groupe, partition ou catégorie.
s'il y a plusieurs cobayes et qu'il faut les classer en groupe, en partition ou en catégorie. Pardon de t'avoir interrompu. Donc, à quel résultat stupéfiant l'expérimentateur est-il arrivé? C'est par rapport aux réactions d'une personne face à l'autorité. Et donc? Et donc, face à l'autorité... Alors, qui était le cobaye? Alors, le cobaye, c'était le professeur, du coup. T'es sûr? C'était pas un observateur? Non, c'était, c'était le professeur, celui qui envoyait les décharges. Ah, d'accord, j'avais un doute. Bon, tu vois, mes cours de psychosociaux remontent. Qui était le complice? Et le complice, donc les complices, il y avait celui qui se prenait les décharges, en fait, qui était un acteur qui simulait, selon les degrés de décharge, simulait... C'est une femme, non? Elle simule mieux, en général. Voilà. Si on ne peut pas faire une petite blague misogyne en début de vidéo, où va-t-on? Cette personne-là, qui, le comédien, devait simuler donc les décharges électriques parce que la personne, le cobaye, devait énoncer avant... Chacune des décharges devait énoncer le voltage qu'il allait envoyer. Donc pour donner en fait finalement un indice au comédien pour savoir quelle réaction il devait avoir. Et ensuite donc l'observateur par contre lui était là pour continuer à encourager le professeur à envoyer les décharges. Non, vous devez le faire. Mais attends, celui qui envoyait les décharges, c'était pas un complice? Non, celui qui envoyait des charges... C'était le cobaye. C'était le cobaye. Oui, pardon, ça y est, je l'ai. Donc voilà, en gros, on voulait mesurer l'influence de l'autorité. C'est-à-dire devant un professeur en blouse blanche émettant tous les codes de la personne autorisée et d'autorité dans un institut, dans une école ou en tout cas dans un studio qui était censé représenter le cadre de la recherche, on était en mesure de faire envoyer à un cobaye plusieurs, j'imagine qu'ils l'ont répété plusieurs fois, donc j'imagine qu'il y a eu plusieurs cobayes, mais en tout cas c'était un par un, des décharges électriques pouvant aller jusqu'à représenter un péril mortel à un comédien, mais il ignorait que c'était un comédien, tout ça parce que ça lui était inculqué, ça lui était ordonné par quelqu'un qui incarnait l'autorité. Voilà, ça c'est 1000 grammes. Nous n'en parlerons pas aujourd'hui, on va s'intéresser aux autres. Alors pourquoi je vous en cite pas plus souvent alors que je suis psychosociologue? Bon, ben, pour être très honnête, Christophe, déjà, on va admettre que niveau actu et vidéoscopie, c'est quand même une semaine assez pauvre. Donc, voilà, ceci explique cela. Il a fallu faire preuve d'un petit peu d'imagination. Ensuite, deuxième raison, parce que mes vidéos sont déjà assez longues, je pense que Christophe est au courant vu que c'est lui qui les monte. Donc si à chaque thèse, si à chaque opinion, si à chaque théorie, je dois remonter à l'expérience qui la valide, mes vidéos ne feront plus 30 ou 40 minutes, mais elles en feront 60 ou 70, et ça va être beaucoup. Ensuite, parce que beaucoup de ces expériences remontent aux années 50, 60, 70, et que beaucoup d'entre vous, notamment les plus jeunes, ont l'impression que c'est la préhistoire, et ils disqualifient tout ce qui a été fait il y a plus de 50 ans en disant « les gens ont changé, ce n'est plus actuel, ce n'est plus exact », comme s'il n'y avait pas d'invariant et pas d'immanent chez l'être humain, passons. Et puis à dernier titre, parce que personnellement, j'en ai un petit peu fait une indigestion. Au début des années 2000, quand j'ai terminé mon école d'ingénieur, je ne faisais que lire des bouquins de psychologie sociale au fond de la classe. Du coup, j'ai raté mes examens et du coup, j'ai dû répéter tout l'été de l'année, je crois, 2000 ou 2001, je crois que c'était 2000, j'ai passé tout mon été 2000 à réviser ma méca des matériaux pour ne pas avoir écouté en cours et pour avoir lu trop d'expériences de psychologie sociale. Voilà, tu connais le trauma de mes 22 ans et je te garantis que si tu as déjà passé un été sur la Côte d'Azur à apprendre par cœur des cours de méca fluide, méca des matériaux, tu as de quoi être traumatisé à vie. Pourquoi disais-je, devriez-vous en connaître quelques-unes? Premièrement, parce que vous serez moins surpris, hein, quand il se passe quelque chose qui sort un petit peu de votre entendement, qui dépasse un peu votre entendement, vous avez souvent l'air surpris. Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, en défaut. Tu vois? Ensuite, parce que ça vous donne un coup d'avance sur certaines thèses ou théories que peut-être vous auriez entendues sans vraiment les prendre à votre compte, comme par exemple celui qui disait que nous sommes dans une époque de démocrature ou de dictature molle, présentée et servie chaude par des hôtesses. On va voir l'importance de l'hôtesse justement dans une de ces expériences de psychologie sociale. Et enfin, parce que ça vous permet de relativiser, vous connaissez mon expression préférée, j'adore dire mettre en perspective, eh bien vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un mois, un grand, soi-disant grand laboratoire britannique, anglo-saxon en tout cas, produisait une étude bidon sponsorisé par une actrice porno et censé disqualifier la chloroquine comme traitement de la pandémie. Hein, si je vous dis des mots comme The Lancet,
Gilles et Raoult, j'imagine que vous n'avez pas oublié, ou alors vous avez passé les 6 derniers mois dans une grotte, hein, c'est possible, eh bien vous allez voir que tout ça, ça n'avait rien d'étonnant, et que ce qui s'est passé, hein, c'est-à-dire l'aveuglement consenti, hein, l'abandon consenti de discernement, eh bien tout ça, ça a déjà été testé X fois, et en fait tout le monde le savait, et moi je ne suis pas surpris, et comme ça, ça vous apprendra à l'être moins, et encore une fois, à mettre ces choses en séquence historique. Alors, on est parti, cri-cri ? On est parti. Comment on les classe ? Comment on les raconte ? J'ai envie de commencer par la plus... Alors, une exception. Je vous mets celle qui est la mieux documentée en vidéo, en tout cas celle dont j'ai le plus facilement trouvé la vidéo intégrale, en premier. Ça, c'est juste pour que vous ayez comme ça un petit repère visuel. Une fois ceci fait, alors, je les classerai par ordre de surprise. C'est toi qui as souvent l'air étonné. C'est-à-dire par ordre de celle dont je m'attendais le plus au résultat, à celle dont je m'attendais le moins au résultat. Et alors, restez bien jusqu'à la fin, pourquoi ? Parce que la dernière, hein, l'expérience de Alan Sokal en 1996, eh bien, c'est justement celle qui vous permettra d'éclairer d'une lumière crue ce qui s'est passé avec Gilead, avec Raoult, avec la chloroquine et avec l'étude permettant de les disqualifier. Ça sera la dernière. H. Le chercheur H.A.S.H. en 1951, Christophe, lance la vidéo. Eh bien, H. a démontré, ou en tout cas a cherché à démontrer, la puissance du groupe, de ce qu'on appelle parfois à tort la preuve sociale, de ce qu'on devrait appeler la conformité normative. C'est-à-dire, que se passe-t-il, Christophe, quand ton opinion instinctive, quand ce que tu penses être la bonne réponse, eh bien, tu entends un groupe à côté de toi, le groupe composé de tes pairs, qui voient la même information, qui devraient penser comme toi, mais qui choisissent autrement. 1, 2, 3, 4, 5 personnes à côté de toi répondent. Ce sont donc des complices. Toi, tu es le cobaye. L'expérimentateur est celui qui pose les questions. 5 personnes avant toi répondent à côté de la plaque exprès. Hein, ils sont payés pour. Ce sont des complices. Vas-tu stand your point ? Vas-tu tenir ta position et continuer à répondre selon tes convictions ou vas-tu continuer à répondre ou vas-tu te conformer aux autres ? Eh bien, la réponse, c'est que 37% des cobayes se laissent influencer par le groupe, plus d'un sur trois, au point de donner la mauvaise réponse. Le test, en fait, la réponse était évidente, c'était des comparaisons de longueur de bâtons. Il y a un bâton témoin et 3 bâtons réponse. Tu vois bien, Christophe, quel est entre A et B et C celui qui a la longueur du bâton témoin ? Pour moi, ce serait le C. C'est évidemment le C, mais selon les tests, les 5 complices, toi, tu es positionné en avant-dernier. C'est important que tu ne sois pas le premier ou le dernier. Hein. Le premier, ça ne fonctionnerait bien sûr pas. Tu es l'avant-dernier, donc tu as entendu tous les autres répondre avant toi. Et les autres répondent, non, non, c'est pas le C, c'est le A. Donc imagine que on est 5 alignés, là, on est 7, tu es l'avant-dernier, tu es le numéro 6. Moi je dis c'est A, puis le deuxième dit A, le troisième dit A, le quatrième dit A, et ça arrive à toi, est-ce que tu dis C ou est-ce que tu dis A ? Et bah 37 disent A. 37% des gens, c'est fou. Hein, ouais, c'est impressionnant. La psychologie sociale, c'est passionnant. Je vous dis vraiment, je vais tenter de surmonter mon trauma de l'an 2000. 37% des cobayes se laissent influencer par le groupe au point de donner la mauvaise réponse. Ce taux tombe à 5%, c'est-à-dire il est divisé par 7. Tiens, j'aurais dû te faire le test, j'aurais dû dire combien de 37 à 5, combien c'est de fois moins. Bon, mais trop tard. Hein. 7 fois moins quand l'un des complices, au moins, donne la bonne réponse. C'est-à-dire que si un des 5 qui te précède, au moins un des 5, hein, au moins un, dit c'est C, eh bien, tu seras 7 fois plus enclin à dire C. Si personne ne dit C, eh bien, il y a 37% de chances que tu consciemment et volontairement donnes la mauvaise réponse. Ça s'appelle la conformité normative. Une autre raison de rester jusqu'au bout de cette vidéo, outre découvrir le fameux Alan Sokal et... Pourquoi Eric Christophe ? Ça t'évoque quelque chose ? Non, c'est... T'as quelque chose contre Alan Sokal ? Non, c'est par rapport au tweet que j'ai, ouais. Le commentaire. Donc, outre découvrir Alan Sokal... et sa fameuse expérience qui éclairera la chloroquine et le contexte actuel, eh bien, ça vous donnera ce jargon, ces termes, qui vous permettront de briller, hein, également cet été. Voilà. Un tiers des gens,
Souvenez-vous-en, dans un futur débat avec des gauchos sur Twitter ou autre, hein, Twitter, encore une fois, mon compte figure en description de la vidéo, un tiers des gens préfèrent avoir tort, mais penser en conformité plutôt qu'avoir raison et être en inconformité ou en disconformité. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder les votes, voilà, et de vous demander, quand un vote est très serré, quand une élection se décide à 55-45, à 53-47 ou à 51-49, eh bien dites-vous bien qu'il y a certainement, il y en a un bon paquet là-dedans, il y en a 5, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20, il y en a peut-être 30%, hein, ceux qui ont fait basculer l'élection, qui ne sont pas convaincus, mais qui ont tout simplement jugé qu'il était moins coûteux de voter conformément à leur entourage que de ne pas se conformer. Et c'est comme ça qu'on en est là où on en est, messieurs, dames. Ça te plaît la psychologie sociale, Christophe ? Ah ouais. C'est cool, hein ? Ben on n'en parle jamais, ça n'est jamais enseigné, ça n'est nulle part. Les journalistes n'y font quasiment jamais référence. Hein. De toute façon, journaliste, bon, on a compris. L'expérience... Alors ça, c'était pour celle qui était documentée par la vidéo. Maintenant, je pars de la plus évidente à la moins évidente. Expérience du témoin en 68. Un cobaye est placé dans une pièce qui ne communique avec l'extérieur que par un interphone. Une pièce, un interphone, un cobaye. Un complice doit feindre une crise d'épilepsie. L'expérience, alors, on la répète avec chaque fois un nombre croissant de personnes placées dans la pièce. C'est-à-dire, premier chapitre, première occurrence, un seul cobaye, deuxième expérience, deux cobayes, troisième occurrence, trois cobayes, quatrième occurrence, quatre cobayes, etc. À ton avis, à quel résultat arrive-t-on ? Donc évidemment, tu es dans une pièce tout seul, je fais une crise d'épilepsie, tu n'as qu'un moyen de communiquer avec l'extérieur, c'est l'interphone, qu'est-ce que tu fais ? Ah ben, je vais directement vers l'interphone. Voilà, directement. Et si vous n'êtes pas un dans la pièce, mais sept ? Il y en a qui vont s'occuper de la personne et les autres qui au moins un autre qui va à l'interphone. Plus le nombre d'intervenants dans la pièce est élevé, plus l'appel à l'aide via l'interphone intervient tard. Et dans certains cas, personne n'appelle à l'aide du tout. Ça, c'est la dilution de, ça s'appelle la dilution de la responsabilité. C'est-à-dire que quand tu es seul, toute la responsabilité de la vie et de la survie potentielle de cette personne t'incombe. Quand vous êtes 18 ou tout un wagon de... Application, le wagon de métro, la fameuse agression. La fameuse agression, par des chances pour la France, dans un wagon de métro ou dans un train de banlieue ou même sur la promenade des Anglais, puisque désormais, c'est un monde sans frontières, évidemment. Eh bien, plus il y a de témoins, plus tu es sûr que tu vas crever. Et c'est ça. Oui. Ben, ça, on le sait depuis au moins 1968. Ouais. Et on lit régulièrement dans les faits divers. Hein. D'ailleurs, j'ai lu un tweet très pertinent récemment, je l'ai surliké, qui disait « Ah, ça doit être pour ça qu'on appelle ça la chance de la diversité. C'est parce qu'on la retrouve dans les faits divers. » Diversité, faits divers. C'est beau, hein ? C'est beau, ouais. Dans tous les récits de faits divers, les témoins, les journalistes et les victimes semblent ou font semblant d'être surpris que personne n'ait réagi. Oui, mais plus tu as foule, moins il y a de réaction. On le sait, c'est un biais, d'accord ? C'est une faiblesse, si tu veux. C'est un biais humain. Sachons-le, anticipons-le, ne soyons pas béatement surpris. Ouais, ça, de toute façon, moi je te le dis, je l'ai vécu quand je prenais le train, quand j'habitais en campagne pour aller à Paris. Ça arrivait tout le temps qu'il y ait des gens qui se fassent embêter, excusez le terme, et qui se fassent embêter par d'autres personnes dans le train. Des incivilités ? Des incivilités. À coup de cutter, voilà, etc. Des menaces et tout. Personne ne bougeait. Moi, je me suis levé deux fois, ça m'est arrivé deux fois de m'interposer. Deux fois, je me suis pris des coups, mais au moins, après, les mecs, une fois que moi, je m'étais levé, d'autres personnes sont venues avec moi après derrière. Mais s'il n'y en a pas un qui bouge, personne ne bouge. C'est impressionnant. Le bon samaritain en 73, des cobayes, hein, encore une fois, souvenez-vous, cobayes, expérimentateurs et complices, hein, c'est le trio infernal de l'expérience de psychologie sociale. Les cobayes sont divisés en trois groupes et envoyés enregistrer une émission de radio fictive. Je répète, tu divises des cobayes en trois groupes, tu les envoies enregistrer une émission de radio, bon, ils n'arriveront jamais et l'expérience, l'émission n'existe pas, mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer sur le trajet. Le premier groupe est envoyé en avance,
le second à l'heure, enfin, dans les temps, on va dire, dans les temps nécessaires pour arriver à l'heure, et le troisième est envoyé en retard. Sur le chemin, un complice, dans chaque groupe, simule un malaise. À ton avis, qui l'aide pas en pourcentage? Quel est le résultat qu'on va obtenir, sachant qu'on a fait un test avec des gens en avance, un test avec des gens à l'heure, un test avec des gens en retard? Les gens en avance vont l'aider, je pense, mais plus ils vont arriver en retard, enfin, plus il y a un risque d'arriver en retard à l'émission, moins ils vont l'aider. Quand les gens sont en avance, 63% des cobayes sont des bons samaritains et aident le complice qui simule un malaise. Quand les gens sont en retard, 63 devient 28. 10. Vous avez 6 fois moins de chances d'être aidé quand les gens sont à la bourre à leur taf, sont à la bourre pour un rendez-vous personnel. Voilà. On dirait en psychosociologie, le contexte prime sur l'invariant. Ce n'est pas qu'une question de caractère. Ce n'est pas, comme je vous le répète depuis 15 ans, ce n'est pas qu'une question de comment vous avez été élevé, de comment est votre papa, comment est votre maman, de vos traumas d'enfance ou quoi que ce soit. Ça compte en toute petite détermination. Ce qui compte avant tout, c'est le sociogramme, le contexte, le moment de la journée, les enjeux, qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent. Votre nature profonde, votre gentillesse, votre empathie, votre machin, votre truc, ça compte divisé par 6 par rapport au reste. Ça, je vous l'ai dit depuis 15 ans. Pourquoi je m'énerve comme ça tout seul? Non, mais je sais pas. C'est la lumière. Trop de lumière aujourd'hui, ça me pèse. 1950, l'expérience Rosenthal, aussi appelée effet Pygmalion, du nom de ce roi de Chypre qui sculpta une statue si belle qu'il en tomba amoureux et put l'épouser grâce à l'intervention d'Aphrodite qui la changea en femme. C'est d'ailleurs une mythologie très pertinente pour mon travail, puisque je suis déjà souvent arrivé à la conclusion que quand nous, hommes, étions amoureux, nous étions amoureux de l'image, de la statue que nous avions créée, de la femme aimée, au point que je citais souvent cette phrase de Monterland il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le chiffre 10, 10 ans, le D-I-S-A-N-T, j'étais tellement épris d'elle, enfin d'elle, de ce que je pensais d'elle, enfin de ce que je pensais d'elle, de ce que je me suis imaginé d'elle, donc en fait de moi-même. Bref, alors, l'expérience Rosenthal a montré que dans 2 groupes de 6 rats, d'accord, identiques, que l'on a mélangés arbitrairement, donc là pour le coup on a fait des catégories de cobayes, mais elles sont mélangées totalement au hasard, donc en moyenne les 2 groupes sont identiques physiquement et cognitivement. Chacun de ces 2 groupes est prêté à des cobayes, pour le coup les cobayes ne sont pas les rats, les cobayes sont les étudiants. Sauf qu'à un des groupes d'étudiants, on leur dit « ce sont des rats intelligents ». Et à l'autre groupe, on leur dit « ce sont des rats un peu cons, ils ont échoué au test, etc. » Et on leur fait faire d'autres tests. Je vous rappelle que les rats sont en fait en moyenne absolument identiques. Eh bien, quel est le résultat selon toi? Je parie que ceux qui n'étaient pas intelligents ont fait des trucs moins bien. Non, les rats sont identiques. Non, mais par rapport à ce qu'ils ont dit, ils oui. Pour eux, les étudiants ont dit qu'ils avaient fait des choses moins bien, sûrement. Les rats ont objectivement, les rats soi-disant cons, mais en fait qui étaient moyens, comme tous, ont objectivement moins bien réussi au test, alors que les rats soi-disant intelligents, mais qui étaient parfaitement égaux aux autres, ont objectivement mieux réussi. Donc comment on peut l'expliquer? Par le jugement des personnes qui s'en occupaient. Parce que manifestement, les étudiants les ont pris avec désinvolture, avec mépris, avec négligence. Bon. C'est pas l'expérience qui me convainc le plus. Pourquoi? Parce que alors, ça a été répété apparemment sur des enfants avec les mêmes résultats. Je suis dubitatif, je suis très très circonspect sur cette expérience. Je pense que cela fonctionne dans un certain niveau, dans une certaine limite de niveau de difficulté. Et qu'après, sur des jeux et des épreuves vraiment difficiles, l'intelligence réelle joue.
et qu'à un moment, l'intelligence réelle prime, et que tu ne peux pas, avec de l'amour et de la bienveillance, transformer mon cousin Gaspard en polytechnicien ou en neurochirurgien ou en pilote de Formule 1. En deçà d'un certain niveau d'intelligence et de technicité, effectivement, on améliore les performances des groupes en leur conférant a priori un postulat d'intelligence et on les fait sous-performer en leur conférant a priori le postulat qui sont un petit peu con-con. Christophe, tu as compris ce que j'en pense, c'est pas ma préférée. Le résultat ne me surprend pas beaucoup. Je pense simplement qu'elle est très limitée et limitante parce qu'elle ne concerne que des tâches de faible capacité que tout le monde peut faire. Dès qu'on arrive sur des tâches de grande technicité où il faut être très abstrait ou très manuel ou très machin, l'affection, l'intention et les paroles ne suffisent pas. Je veux dire, tu ne me feras jamais courir le 100 mètres comme Usain Bolt, et a fortiori encore moins toi, puisque tu n'es pas coloré, avec des bonnes paroles et de l'attention. Donc, hein, on a compris les limites de l'utopisme. Stanford, Christophe, Stanford, 1971. Si je te dis qu'en prenant des cobayes étudiants, en les dispersant au hasard dans deux groupes qui sont un prisonnier et l'autre gardien de prison, en décorant une fausse prison dans le sous-sol de l'école et en instaurant une seule règle qui est que les gardiens peuvent rentrer chez eux après le service et que ceux qui jouent les prisonniers, au contraire, doivent dormir là, à ton avis, à quoi vas-tu assister? Alors là, mon avis peut être biaisé parce que j'ai vu un film là-dessus justement qui s'appelle The Experiment. Oui, et, c'est ça. C'est ça. Et ouais. Et donc effectivement, j'ai vu ce que ça peut donner. C'est oui. C'est les gardiens deviennent effectivement, enfin veuillent faire respecter l'ordre au sein de cette fausse prison et les faux prisonniers, eux au contraire veulent faire valoir leurs droits parce qu'ils disent non, on n'est pas des prisonniers, on est juste là pour une expérience. Eh bien, ça donne des rixes, ça donne des comportements sadiques et ça donne des cobayes traumatisés au point que les expérimentateurs ont perdu le contrôle de l'expérience et ont dû l'interrompre plus tôt que prévu. Voilà. Souvenez-vous bien, quand vous assisterez à des scènes d'émeutes urbaines ou à des répressions policières ou à des récits de violences en prison, etc. Souvenez-vous bien de... Salut Benalla, en fait, si tu nous regardes. Je me demande s'il ne me suit pas sur Twitter, Alexandre Benalla. Il faut que je vérifie. Je crois avoir vu passer quelque chose comme ça. Salut Alex. Pas taper. Hein. Parce que j'ai rends les coups, donc on va se faire mal. On va se faire mal tous les deux. Tu vas me faire mal, mais je vais te faire mal aussi, donc je te conseille de ne pas taper. Stanford, 1971, vous permettra de connaître ce tropisme humain et de non pas pardonner, mais en tout cas, de comprendre, d'accepter notre nature, notre invariant, et peut-être d'éviter de vous mettre au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, parce que loi ou pas loi, justice ou pas justice, la justice arrive toujours trop tard. Hein. Quand t'as perdu ton œil, quand t'as perdu ta main, quand t'as perdu une... Quand t'as perdu un de tes organes, si tu veux, la justice ne le réparera que partiellement, quoi. Barnum, 1948... Si je te lis le texte suivant, Christophe. Tu as besoin, Christophe, d'être aimé et admiré. Pourtant, il t'arrive d'être très critique envers toi-même. Tu as certes des points faibles, mais tu sais généralement les compenser. Tu as un potentiel considérable que tu n'as pas encore utilisé à ton avantage. À l'extérieur, tu te disciplines et tu sais te contrôler, mais à l'intérieur, tu boues et tu peux être préoccupé et pas très sûr de toi-même. Tu hésites souvent, tu te demandes si tu as pris la bonne décision, si tu as fait ce qu'il fallait. Tu préfères un petit peu de changement et de variété. Tu deviens insatisfait si on te restreint et on te limite, blablabla, bla, 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 tu es indépendant, blablabla. Bla, 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 bla. Est-ce que ce texte te correspond? Est-ce que ça te décrit? C'est des généralités. Eh oui, et ces généralités-là ont été remises à des cobayes par le chercheur en psychologie et expérimentateur Bertram Forer, à tous ses élèves, à l'issue d'un test psychologique bien réel pour le coup. Hein, donc ils ont vraiment suivi un test psychologique. Il a jeté tous les résultats à la poubelle et au lieu de donner une réponse personnalisée à chacun, il a en fait donné tous la même. Et c'était bien sûr avant Internet, les élèves et avant le téléphone et portable et compagnie. T'imagines bien que les élèves ne se sont pas appelés pour comparer les résultats. Ils les ont lus le soir.
Et le lendemain, à l'arrivée, hop, dès le matin, 8h, ou je ne sais pas quelle heure on commençait l'école en 1948, peut-être à 6h du mat, on n'en sait rien, hop, notez entre 1 et 5, entre 0 et 5, la qualité de ma réponse. Et note moyenne, 4,2. C'est-à-dire que 5 étant le maximum de précision, 4,2, ça fait plus de 4 sur 5, ça fait plus de 80%. Les élèves ont jugé donc très précis une réponse qui était très stéréotypée, expérience reproduite à de nombreuses reprises, toujours avec autant de succès. Qu'est-ce que ça nous permet d'en déduire? Dans quel domaine est-ce que ça s'applique? Eh bien, différentes formes de psychothérapie, différentes pratiques divinatoires, et notamment tout ce qui est développement personnel. Je l'ai déjà souligné à d'innombrables reprises, quand on vous parle de votre potentiel à extraire. Comment extraire, développer et valoriser son potentiel. Et quand on vous parle de votre soi-disant manque de confiance en vous qui ne reflète pas celui que vous êtes à l'intérieur, toute psychothérapie, toute pratique de coaching visant à vous persuader que vous êtes un être unique, irremplaçable, indispensable au potentiel inexploité et que ce potentiel doit briller à l'extérieur, tout cela est de la masturbation, même pas intellectuelle. Parce qu'on a la masturbation intellectuelle, qui au moins fait plaisir à l'esprit. Puis c'est de la masturbation, c'est même pas intellectuel, c'est vraiment de l'arnaque pure et simple. Je le combats, je le dénonce depuis des années. Les gens qui manquent de discernement ne voient pas la différence en disant « tu fais pareil ». Non, Christophe, non. Je te mets au défi sur les 500 vidéos de ma chaîne d'en trouver une où j'explique aux gens qu'ils ont un potentiel inexploité, que je vais le révéler à la face du monde. Tu m'as déjà entendu dire ça? Non. Non, ici on fait le taf. Expérience du docteur Fox, 73, à ne pas confondre avec Samantha. Alors là, on commence à rentrer dans le dur. Ça, ce sont celles qui m'ont le plus, je vais pas dire surpris parce que je les connaissais pour la plupart, mais ce sont celles qui se rapprocheront le plus de ce que nous sommes en train de vivre et qui sont peut-être le plus mobilisables aujourd'hui. Et ce sont celles qui me donne qui me rendent le plus amer vis-à-vis des journalistes qui ne les mobilisent pas alors qu'ils devraient le faire. Le docteur Fox, donc pas Samantha, en 73, il a invité 55 médecins à participer à une conférence intitulée « La théorie mathématique des jeux et son application à la formation du corps médical ». Sauf que cette conférence était, un, bourrée d'approximations, deux, bourrée de contresens, 3, non sourcé. 4, que le médecin, chercheur, expert, blablabla, épistémologue, tout ce qu'on veut, chargé de la donner, eh ben, c'était un acteur qui n'avait aucune compétence en la matière, qui n'avait qu'une seule consigne, être chaleureux et agréable. Qui étaient les cobayes? Ah ben, les médecins. Les médecins étaient les cobayes. Qui étaient le complice? Le complice, le comédien. Résultat, invité à laisser un témoignage par questionnaire, quel a été le taux de satisfaction des médecins? 90%. 100%. 100%. Pas 90, pas 95. L'acteur était bon, alors. 100% des médecins, des prétendus experts d'une science prétendue objective et froide et dure, ont été leurrés pendant plus d'une heure par un simple acteur qui a lu un texte bourré d'approximations et de contresens, en faisant par contre d'énormes efforts de charme, en étant extrêmement accorte et affable. Pire que ça, ils n'ont relevé aucune des erreurs, et aucun des contresens. Application de l'expérience du docteur Fox, pas Samantha, eh bien, appliquez ça à la vente, appliquez ça aux experts médias, appliquez ça aux élus, appliquez ça à certains .e.s porte-parole d'un certain gouvernement, notamment une récente, qui s'habillait un peu en boubou et qui avait un peu une tête à figurer dans le Cosby Show. Elle ressemblait un petit peu à Rudy dans le Cosby Show. D'ailleurs, Cosby Show, ça sera notre prochaine vidéo. En tout cas, nous, on la tourne aujourd'hui. Je ne sais pas quand je la diffuserai. Les 6 leçons de vie du Cosby Show. C'est pas une transition digne d'un journaliste professionnel. Si. Je demanderai ma carte de presse un jour. Rosenham, hein, c'est un cousin de Rosenthal, je crois, ou comment il s'appelait l'autre? Rosenthal. Rosenthal, pardon. 73, 8 cobayes
sains d'esprit se sont présentés dans 8 hôpitaux psychiatriques, hein, un dans chaque évidemment, en prétendant entendre des voix. Hein. Donc ce ne sont pas des cobayes, j'ai commis une erreur, ce sont des... complices. Ben oui, parce qu'ils prétendent. Ouais. Si c'était des cobayes, les cobayes sont les hôpitaux. C'est ça. Hormis cette affirmation, donc hormis le fait qu'ils prétendaient entendre des voix, tout le reste était conforme à la réalité. Ils avaient instruction de ne mentir sur rien. Les experts, donc les cobayes. Eh bien, ont diagnostiqué, donc parmi ces 8 personnes saines d'esprit, 7 schizophrènes et un maniaco-dépressif. Voilà pour l'expertise, soi-disant, de l'esprit et de la complication, des sophistications mentales. Une fois à l'intérieur, les patients devaient se comporter normalement, ne plus jamais parler des soi-disant voix. Si on leur posait la question, dire tout simplement qu'elles avaient disparu et réclamer leur libération. Les plus rapidement libérés l'ont été le 7e jour et certains ont dû rester pendant 50 jours. Plus important, plus pertinent, plus fort, on va de toute façon par gradation, je vous l'ai dit depuis le début, la prochaine c'est Sokal, c'est Alain, donc restez bien jusqu'à la prochaine. Aucun médecin ne remit en cause son diagnostic initial. Aucun. Alors que les malades eux-mêmes, les vrais malades, qui étaient donc également des... Cobayes, oui, puisque eux n'étaient pas au courant. Ouais. Les vrais malades, un tiers ont deviné la supercherie. Ah. Plus de 30% des vrais malades ont dit « Là, les gars, là, les 8 gars, là, on les sent pas, ils sont pas fous. » Donc des fous ont eu plus de discernement que des experts psychiatres. On dit que les fous se reconnaissent entre eux, c'est ce qu'on dit. Je vous laisse appliquer ça à la médecine. Et il y a eu une contre-expérience Rosenheim aussi folle. Rosenheim, donc dans une V2, entre guillemets, a prévenu le personnel d'un grand hôpital psychiatrique qu'il allait envoyer de faux patients dans les prochains mois. Donc, qui étaient les cobayes? Toujours l'hôpital. L'hôpital. Et il a demandé donc à ses cobayes de les distinguer. Résultat, sur les 200 faux patients, combien l'hôpital a-t-il été capable d'en distinguer? Sur 200 patients? Bon, une dizaine. 40. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, sauf qu'en fait, aucun n'était un faux patient. Donc l'hôpital a diagnostiqué comme sain 40 fous parce que tout simplement il en cherchait. Les médecins, les personnes autorisées, les institutions, les experts désignés ne remettent jamais en question leur avis initial. Sachez-le si vous vous trouvez dans la position de devoir leur faire confiance. Ils ne le feront pas. Sokal, Alain Sokal, 1996. Alors lui, il postulait que le mal français, comme disait La Fontaine, la vanité et le mal François, eh bien lui, il disait que le mal français, c'était l'abus de termes scientifiques et de concepts foireux, le fait de jeter des mots savants à la tête du lecteur sans contexte. Eh bien, telle était la démarche des intellectuels français. Alain Sokal, professeur de physique à l'Université de New York, soumet à la revue Social Text un texte, justement, pseudo-scientifique, appelé, ouvrez les guillemets, « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravité quantique », qui sont les cobayes. Ah ben là, c'est le journal. Le journal. Ce texte était, en fait, ne voulait rien dire, mais il présentait deux caractéristiques. A, il sonnait bien, et deux, il flattait les préconceptions idéologiques des éditeurs. Résultat, le texte fut publié dans le numéro intitulé Science Wars, donc de la revue, sans avoir subi aucune correction, aucune altération, aucune modification, sans avoir été préalablement examiné par ses pairs, soumis à aucune critique externe. Et Sokal, contrairement à notre copain, notre nouveau copain astrono-geek, il n'a pas attendu de se faire taper dessus pour dire « Oui, pardon, je déconnais »,
Non, il a tout de suite dit c'est une blague, dès la publication, dès le premier jour. Hypothèse explicative, conclusion, la revue méconnaît les règles de la rigueur intellectuelle puisqu'elle s'est permis de publier un article sur la physique quantique sans prendre la précaution de consulter au moins un spécialiste du domaine. Je vous laisse appliquer ça à des événements récents. Si vous vous dites les journalistes se sont peut-être passés à côté ou on n'en a jamais entendu parler parce que c'était une fois sur un autre continent il y a 25 ans, etc. Non, c'est pas une fois, il y en a eu plein. On le sait que les publications sont bidons. Il y a eu 96 avec Alain Sokal, il y a 1er avril 2016 avec les philosophes français Anouk Barberousse et Philippe Huneman qui révélaient avoir réussi à faire publier sous un nom d'emprunt un article sans queue ni tête. Dans une revue très sérieuse qui s'appelait Badiou Studies. L'auteur fictif déroulait sur 23 pages des palinodies, donc ces espèces de choses qui dissoutent tout et leur contraire, sur des thèmes du philosophe Badiou, donc qui a donné son nom à la revue. L'intégralité du soi-disant comité de lecture, du soi-disant comité éditorial s'est fait piéger. C'est passé comme une lettre à la poste. En 2015, les sociologues Saint-Martin et Quinon même procédé, même modus operandi, même protocole, ont publié un papier intitulé « Automobilité post-moderne » qui était en fait un charabia qui ne voulait rien dire, qui était une feuille de chou consacrée au service de Paris, l'Autolib. Encore une fois, pas de relecture, pas de correction, pas de discussion, une validation implicite et une publication dans une revue dite de référence. Et ça, ce ne sont que trois exemples. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et bien, pourtant, Christophe, le mois dernier, eh bien, pas un membre éminent de la caste qui nous dirige et qui nous surplombe n'a pensé à remettre en cause les études qui s'acharnaient contre le professeur Raoult quand elles émanaient d'instituts soi-disant prestigieux. L'histoire est vouée à se répéter. Nous n'apprenons jamais à rien, sauf les followers d'hommes d'influence. Nous, on apprend chaque semaine, et pour la peine, je pense que ça vaut quand même le coup, pour quelqu'un qui a fait le taf, de rétribuer cette vidéo avec un petit pouce. Et si on n'était pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de s'abonner, sans oublier les notifications. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible.